Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Europa Universalis 4 pour la quatrième fois aujourd'hui avec un nouveau let's play dans lequel on va découvrir la foi hussite et un peu mieux les mécanismes du Saint-Empire romain germanique, sachant que ça ne pourra pas être vraiment les deux en même temps, puisque au début, si on est hussite, on n'est pas éligible au poste d'empereur. Et ça va prendre au moins une bonne centaine d'années avant que l'on puisse espérer prendre le pouvoir en restant hussite, puisqu'on ne pourra ni devenir empereur, ni diriger la Ligue protestante. On va juste en faire partie, je l'espère. Allez, c'est parti, c'est un let's play complètement improvisé, je ne l'ai pas préparé, je ne l'ai pas travaillé, je me lance quand même en Iron Man. On va appeler ça Bohemian Rhapsody. Un seul épisode aujourd'hui. Vous avez trois épisodes de l'autre, enfin 0, 1 et 2 pour le pape. Mais à 1 à partir de demain, tous les jours. Hein, donc un par jour à partir d'aujourd'hui. C'est parti. Donc, vous l'avez probablement vu avec la papauté. Ouh, la musique qui s'arrête d'un coup, paf, paf, paf. Avec la papauté, on va commencer par gérer les ordres. Il y a pas mal de trucs hyper importants à faire ici, sur les nobles. C'est le plus important. La suprématie politique systématiquement, qui augmente tout le monde, le bonheur de tout le monde. Et le deuxième, c'est celui qui rajoute ici, relations diplomatiques plus 2. Il est extrêmement puissant. À partir de là, on peut se contenter de donner les monopoles. C'est très bien parce que ça redonne du mercantilisme et de la production tous les X temps. Et vraiment, on peut faire monter le. Si on les prend tous, en fait, vous faites monter votre mercantilisme en flèche comme ça. Et ça renforce vraiment votre position. C'est vraiment un bon moyen de faire monter le mercantilisme. Regardez, on en a un monopole sur le verre, monopole sur les textiles, faut pas se priver, hein. Et ici, on a un monopole sur le vin. Go, go, go. On a 4 points de mercantilisme qui peuvent monter tous les X années. Combien de temps ça reste? 10 ans. Tous les 10 ans, 4 points, vous vous rendez compte? Il y a de quoi faire monter le mercantilisme à 100 en très peu de temps. En très peu de temps, en 250 ans, sans rien faire, même moins. Même moins. À combien il démarre? Il démarre à 14. Bah, il démarre à 10. Hein. Il démarre à 10. Donc, bah voilà, tous les 10 ans, 4 points. C'est pas mal. C'est pas mal. 40 points, 50 points. On sera déjà à 50 en 100 ans. Hein. C'est énorme. J'ai rarement vu ça. Allez, on continue. Les bourgeois maintenant, on a très intéressant la tolérance envers les hérésies et le paganisme. Ça nous sera très utile. Et on va prendre le contrôle sur la politique monétaire. On le prendra plus tard. On en aura besoin, je pense. Hein. On a combien d'inflation là? 0,09. Je pense qu'on va le prendre. Ça augmente la productivité, ça fait des emprunts moins chers. Et ça nous permettra d'avoir de plus en plus d'or sans jamais en souffrir. Là, je veux garder un privilège. Ici, administratif, mais ici, non, probablement pas. Droit de conseil. Oui. Droit de conseil, tout simple, un classique. Pareil, les états religieux ou le. Clair au conseil, le contrôle des clercs, voilà. Hop. Fanatisme, évangélisme, non. Non, 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 non. De l'influence, ça nous mettrait à plus 15. Il faudrait leur donner 20 points. Conseil religieux, si je prends les deux, ça passe. Mais il faudrait que j'en enlève 20 pour pouvoir prendre ça plus tard. Donc je vais plutôt prendre ça. Pour leur remonter un peu le moral. Voilà, pour l'instant je ne peux pas leur donner. Je ne peux pas prendre de plus un point à admin tout simplement parce que si je fais ça, je passe à 29% et je vais avoir des effets secondaires ici. Relativement perturbant, moins de taxes, moins de. Je ne sais plus. De l'agitation, je crois. Donc on va s'en passer. On va quand même te proposer une requête. Les nobles, ils me demandent quoi? Munich est une dépendance de Bohême. Ça peut se faire. Ah ben il a déjà un vassal, il a pas sot comme vassal. Ben à vrai dire, ça peut se faire. L'éclair, valeur fiscale de l'usis. Oui, on peut augmenter un peu la valeur fiscale. Production d'au moins 6. Ouais, on va augmenter la valeur fiscale plutôt. Tout simplement parce que je dois augmenter la valeur ici. On viendra ici. On fera un édit à ce moment-là quand on aura beaucoup de points. J'ai besoin de plein de points diplomatiques. On va focus dessus.
On va aussi se faire une armée un petit peu plus digne de ce nom. Voilà. Je pense qu'on pourrait faire un 12-2 deux fois. On a le droit à combien? On a pas mal d'or, hein. Ouais, on pourrait faire un. Un 12-2, un 10-2 et un 9-2 pour passer à 23 pour le moment. Alors, qui est. Alors, c'est improvisé, hein, donc malheureusement, l'Autriche n'est pas rival avec moi, il me le faut en rival. Le Danemark, non, quelle tristesse! Quelle tristesse, la Hongrie, la Pologne, c'est pas possible. Ils y sont tous, hein. Pas le Danemark, t'es pas sérieux, c'est mon seul allié. Ah là 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 là. Offre d'alliance, il faut être allié avec Danemark, mais ça va pas être possible. Venise, ordre teutonique. Pourquoi l'ordre teutonique il veut pas s'allier? Quelle est cette blague? Relation, amélioration avec l'ordre teutonique. Amélioration avec lui et amélioration avec la Bourgogne. La Saxe, par contre, va vouloir s'allier, ça c'est sûr. Voilà, on ira chercher la Bourgogne. Juste après, c'est-à-dire dans pas longtemps, déclin de la puissance des dots, d'accord? Attends, tap, 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 t'énerve pas, t'énerve pas. T'énerve pas. La Bourgogne. Voilà. Bourgogne en général n'aime pas l'Autriche. Alors, qui est-ce qui ne t'aime pas, toi? Personne ne t'aime. La Savoie, je peux m'allier avec la Savoie. Parce que les Ottomans et la France, ça va être tendu. C'est dommage, j'aurais pu m'allier avec la Pologne. Le compacta de Bâle. Alors, est-ce qu'on tolère les hérésies ou est-ce qu'au contraire, on augmente les hérétiques? Pour l'instant, on va tolérer les hérésies pendant 10 ans. Offre de mariage de la part de la Saxe. Tout à fait. Je valide. On va essayer de se marier aussi avec, bah, pas l'ordre teutonique, hein, c'est un ordre monastique, ni Venise, mais peut-être avec la Bourgogne. Royaume d'Italie et de Saint-Empire. Ça y est, on a déjà la Lituanie, non? Paf, hein, ça a été pris. On va aller jeter un petit coup d'œil au pôle. Qu'est-ce que tu veux, au pôle? Oui, en même temps, au pôle, c'est à moi, hein, du coup. On va aller jeter un petit coup d'œil à nos missions. Elles sont violentes, elles sont violentes. La région suscite nous donnera 20% d'influence sur le pape. Je ne sais pas si on pourra le faire. Hein. Renaissance ultraquiste, agitation dans le pays moins un. Et défenestration de Prague, réputation diplomatique plus 1, puissance des missionnaires contre les hérétiques plus 1. La défenestration de Prague, il y en a eu deux, mais ça fait référence à la première quand ils ont jeté sept dignitaires par la fenêtre du premier étage, mais sur des pics. Et du coup, ça pique. Ça pique, ça pique. La deuxième défenestration a eu lieu environ 200 ans plus tard, mais ils les ont jetés dans du fumier de cette même salle, hein. Du coup, c'est les fenêtres, il faudrait mettre des barreaux à la fenêtre. Ce serait bien parce que là, ça commence à pousser un peu. Intégrer la Silésie, ça nous donnera la possibilité d'avoir un rétablissement de l'union sur la Hongrie. Mais avant, il faudra prendre tout ça à la Hongrie, ça pique un peu. Et par contre, si on n'est pas en régence, on pourra directement avoir un rétablissement de l'union sur la Pologne. Bon. Et si on arrive à humilier l'Autriche, eh ben, on aura le assujettissement du Brandebourg. Assujettissement qu'on essaiera de consolider par. Une annexion, je pense, parce que comme on ne pourra pas se servir de son pouvoir d'électeur avant 100 ans, ça serait dommage de se taper le malus avec tout le monde parce qu'on a assujetti un électeur. Voilà. Comment ça se passe? Ça se passe bien. On va peut-être faire un petit groupe avec tout le monde. Anhalt, non, je te connais pas. M'intéresse pas à ta vie. Alors, Munich a déclaré la guerre à Ingolstadt. C'est intéressant. C'est déjà la fête chez vous. Super, j'ai plein de mouvements. Allez, entraîne-toi. C'est pathétique. Donc, il me faut beaucoup de points. Allez, quasiment 500. Et on a une requête ici. Mettre 4 points en Dotnilusis. Ok, c'est à 2. En général, ils veulent 2. Hein. Faut juste pas se tromper. Ils veulent 4 points, quoi. Valeur fiscale. Bah, go. Ça va piquer. Hein.
Accès limité. Allez-y, passez, je vous en prie. Si vous me passez dessus et que vous me faites perdre des hommes, je vous jure que ça va mal se passer. Donc ici, vraiment, vraiment, choisissez bien. Les plus importantes, c'est la relation diplomatique plus 2, la politique d'équité. Et ici, vous pouvez prendre un truc qui vous permet d'augmenter vos réserves de 39%. Il est très bon aussi à prendre, hein. Pour l'instant, je prends ça, mais je pense qu'ensuite, celui-ci, je vais l'enlever dès que j'en aurai la possibilité. Bientôt, pour le remplacer. Parce qu'au final, 58, on n'arrive pas à passer le cap des 60, donc on n'a pas de bonus. J'aurais pas dû le prendre. Comme je vous dis, j'ai pas préparé, mais sinon j'aurais dû prendre celui qui augmente de 39% les réserves. Bien, alors, il nous faut des alliés pour pouvoir déclarer la guerre à l'Autriche. L'ordre teutonique, c'est bon. Alors, on est en 1446. On va pouvoir changer de roi. Bon, pour l'instant, on n'en a pas, hein, de toute façon. C'est pas gagné. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Venise, on n'y arrivera pas. Toi, t'es une dépendance partenaire mineure de la Hongrie. Eh oui, mais la Hongrie, c'est pas notre pote. C'est pas notre pote. Landuste. La Bavière, t'es quand même pas costaud, toi. Hein. T'es allié à Francfort. Et t'iras pas te battre contre l'Autriche. Hein. Milan, t'iras te battre contre l'Autriche, toi? Bah non, clairement pas. La Savoie, il reste battre contre l'Autriche. On va abandonner Venise. Pouilleuse. On va pas renoncer non plus complètement, hein. Toi, je vais clairement aussi t'améliorer. Jusqu'à ce que tu veuilles plus de moi comme rival. Alors, les autres missions, acceptation croissante de pots de vin, bah oui, pourquoi pas. Pique-moi tout mon argent. Ambition impériale, vous le connaissez, avoir des électeurs. Là, c'est humilier l'Autriche, intégrer la Silésie, et puis bah, ça, c'est un événement. Hein. Le retour des Hussites s'est produit. Non, c'est 17 mois à partir de 1446, le MTTH. J'étais regardé dans les fichiers un petit peu avant de lancer la partie, quand même. Quand même, j'étais regardé les nouveaux événements dans les fichiers, j'adore ça. La cession du Maine. Il est temps de leur apprendre à se battre. Ben voilà. Au moins ça c'est fait. Donc, on va continuer à augmenter ça. Ça y est, vous êtes content? Les clercs, ils sont contents. Vente de titres. Ah. Tu me proposes de l'argent? Non, ça, non, non, non. Gain de 1 en stab. Excellent, excellent. Bien sûr que je prends ça. J'ai carrément pas besoin d'argent avec ma mine d'or. Ma mine d'or qui va progresser. Parce que c'est ainsi, je l'ai décidé. Fallait faire l'édit d'abord. Allons, allons, réfléchis un petit peu. Efficacité commerciale, réputation diplomatique. Modif du coût de la stabilité, prestige. Vous n'avez pas des trucs un peu pas trop chers? Discipline, c'est bien ça. La succession de nappes, déjà rapide. Alors, indépendance de Naples. J'aimerais bien regarder ce qu'a fait la papauté. Tu peux pas me... Non, je dois tout lire dans un petit truc comme ça. Sa sainteté recevra son dû. Ah, la sainteté a reçu son dû. Ils ont payé. Ils ont payé, donc il n'y aura pas de guerre de la papauté contre Naples. Reste à savoir ce qu'ils feront quand ce sera nous, la papauté. Alors moi, je le sais déjà. Moi, je le sais déjà. J'ai tourné trois épisodes avec la papauté. Les deux d'aujourd'hui, plus
plus le 0, plus le 8 demain. Donc ça fait 4, bien sûr, mais le 0, 0, c'est pas un épisode. C'est une mise en place. Bon, ça se passe bien là à la Bourgogne maintenant, ça y est, on peut jouer ensemble. Oh là là, t'es pénible. Tu vas pas vouloir, hein. Tu vas pas vouloir, mais peut-être qu'un jour tu voudras. C'est ça le truc. Quant à la Savoie, elle va vouloir tout de suite, maintenant, là, immédiatement. Ça y est avec moi. Go. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te proposer une armée de mercenaires, hein, Venise. Jouer que jusqu'à 22 unités en tant qu'armée mercenaire. Oui, bah écoute. Ça? Quoi non? Tu rigoles, le coût mensuel c'est de 8,90, pourquoi non? D'accord, tu la veux même pas gratos, quoi. Pourquoi tu dis que tu veux des gens si quand on te le propose gratos, tu le refuses? Quel genre d'intelligence artificielle tu es? Même gratos, tu les veux pas, les trucs, hein? Mouais. J'ai un doute sur ta volonté d'embaucher des mercenaires, Venise. Hein. Tu en guerre contre qui? Les États pontificaux, Urbino, Pérouse et Milan. Eh ben, tu l'as bien cherché. On peut pas faire la guerre. Bien sûr que non, on fait pas la guerre. Je regardais, c'est tout. On a le droit de regarder. Non mais où? Le pape, un nouveau pape. Nouveau pape, nouveau contrôleur. Ok, publication d'une bulle. Oui, coût du développement, tolérance envers le paganisme. Tout ça, c'est bon pour nous. Tout ça, c'est très bon pour nous. Allez, un petit coup là. Un petit coup là et tout le reste, ça va ici. Encore deux. Hein. Encore deux, encore plein d'or. De retour des Hussites, c'est parti! Hop, 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 hop. Le roi électeur peut écouter Huss et le peuple de Rome. Père de sang en influence sur le pape. Giriz, Podebrabe, deux fois Hussite disposant d'une revendication forte arrive au pouvoir. Tintintintin, Jean Huss connaît la vérité. La foi Hussite devient la nouvelle religion officielle en Bohême. Hussite au pouvoir s'applique en Bohême. D'accord, nous resterons fidèles à Rome. Bon, arrête ton cirque. La culture tchèque et de foi Hussite disposant, voilà, 5-4-3 arrive au pouvoir. Allez, Jean Hus. Nous y voilà, donc inutile de dire que maintenant, même si nous avons quelqu'un, nous ne sommes pas éligibles. Coût de maintien des missionnaires, moins 20%. Le renouveau Hussite, toutes les provinces de la contrée de Bohême, de la contrée de Moravie et de Montmétallifère deviennent Hussites. Il va falloir convertir et ça a pas l'air de coûter trop cher. Par contre, on n'en a qu'un. Ça va prendre son temps. Regardez l'église de Bohême. Voilà. Comment ça marche? Église de Bohême, la foi hussite. Voilà les pouvoirs qu'on peut choisir. Donc, alors, attendez. Puissance cléricale, 0. Alors, comment est-ce que je vais gagner de la puissance cléricale? J'ai oublié. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. J'ai 100% d'unité religieuse. Intéressant. Eh oui, parce que j'ai une tolérance envers les hérésies de 2. Elle est positive. À partir du moment où ils sont tolérés positivement, parce qu'on a le compact de Bâle, le dialogue interconfessionnel imposé, la légitimité. Donc, à partir du moment où on est au-dessus, il n'y a pas d'impact sur l'unité religieuse. Vous voyez, j'ai même moins 0,1 ici. Autant dire que je pourrais avoir 10 000 provinces sunnites. J'aurais probablement une unité religieuse de 100% quand même. C'est beau la vie, hein. C'est très beau. Donc, par contre, faut booster un peu nos clercs. Alors, voilà ce que l'on peut prendre. On peut en avoir 4, hein, vous voyez. Tac, tac, tac. C'est pas si mal, hein. Modificateur de la coût de la stabilité, plus 15. Tolérance envers la seule vraie foi, plus 1. Et modificateur de production, plus 5%. Les deux. Hein. Coût en score de guerre contre d'autres religions, moins 10%. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Coût de conversion culturelle, moins 20%. C'est extraordinairement puissant. Parce que vous ne pouviez jusqu'à présent baisser que de 45% en prenant la combo, je ne sais plus ce que c'est, religieuse avec je ne sais plus laquelle. Et ça fait moins 25 pour les religieux, moins 20 avec la politique, ça faisait moins 40. Et là, on peut passer à moins 65%.
Ça commence à devenir pas mal quand on sait qu'il y a moyen de baisser avec l'innovation encore un petit peu. Amélioration des relations, plus 30%, mais pénalité de stab pour déclaration de guerre, moins 1. Je ne sais pas s'il est très bon celui-ci. Par contre, corruption annuelle, moins 0,05, c'est génial. Coût de la répression implacable, moins 33%. Bah oui. Bah oui. À l'ère de l'absolutisme, le moins 33% qui se combotte avec tout le reste. C'est génial. Modif de réserve nationale, dommages de choc subis, tolérance envers les hérésies et unité religieuse plus 10. Alors là, on est tranquille avec ça. Hein. Par contre, il n'y a rien pour les missionnaires. Hein. Il n'y a rien pour les missionnaires, mais bon, on a plus 2% contre les hérétiques. Et de base, on a combativité de l'infanterie, plus 10%. Les hussites ne peuvent pas se convertir à notre religion. Dur pour eux. Dur pour eux. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. Ça va être plus compliqué maintenant de se marier avec la Bourgogne. Ouais, on vient de perdre 10 là. Hein. On va continuer, on va continuer. On va essayer d'aller chercher des alliances. Bon, on en a moins nettement. Hein. On en a nettement moins. Mouais, 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 mouais. C'est compliqué, mais lui, ça pourrait être très bien quand même parce qu'il est vraiment à côté de Brandebourg. C'est notre première cible. Notre deuxième cible, puisque d'abord, on voudrait déclarer la guerre à l'Autriche. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Comme on peut le voir, derrière, il y a 25, il y a 30 000 hommes. Pardon. Ça, c'est moi, 30 000 hommes. Eux, c'est 63. Donc, fatalement, ça passe pas. Hein. État pontificaux, Brégance, Palatinat, Bade, Hongrie. Ça passe pas encore. Après, si j'arrive à cocher des gens, ça sera tout de suite plus facile, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. On va commencer à cumuler un petit peu. On va se marier avec la Savoie. Et on va commencer à demander à nos diplomates d'augmenter nos dépendances, puisque on veut les annexer. Mariage avec qui? Volgas, si tu veux. Je sens qu'on n'aura pas d'énormes alliés. C'est quoi ça? Lituanie est en guerre? Non? Tu te déplaces pourquoi là? Pourquoi tu vas là? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est louche tout ça. J'ai bien fait de pas m'allier avec lui, il est en train de perdre sa guerre. Peut-être. Bon, toi t'as des alliés. Ah, t'es dépendance de la Saxe. La Saxe, elle a combien de dépendances? Thuringe. Ah d'accord, Thuringe fait tout ça. Ah, c'est énorme en fait, la Saxe maintenant. Puisqu'il a Thuringe en dépendance. Très rigolo. La Bourgogne, on fait revenir. On va voir si on peut aller traficoter des petits trucs avec lui. Non, on peut pas. On peut pas. On va continuer à essayer de se trouver des partenaires. Brunswick pourrait être sympa, mais pareil, il n'interviendra pas contre l'Autriche. Berg-Magdeburg, Brême, Brandebourg. Quoi? Religion différente, moins 20. On pourrait réaméliorer les relations un petit peu. Ça m'étonnerait que ça passe. On est à moins 3. Attitude plus 50. Opinion 120 sur 53. 13. Peut-être, peut-être pas. J'aimerais bien qu'il garde. Barbe de Scylla. On va continuer. Il voudra peut-être revenir. Donc, elle,
Elle est de compétence 2 à 50%, ça va pas du tout nous intéresser. 10% de prestige. Ah, il veut pas revenir. Hein. Aïe, 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 ça se goupille mal les relations. Hein. On en a plus en fait, on n'a plus aucune relation. On est fichu. Revendication d'Autriche, gloire à la Bohème. Oui, mais. Oui, mais. Mais enfin, comment dire? Oui, on a le casus belli. Après, j'aurais plutôt été chercher Intal. Ah, le nouveau Tyrol. Requête des ordres. Alors, l'éclair. Pilsen est hussite. Bah, évidemment. Réserve militaire 4, c'est encore pour augmenter les trucs. Mais oui, on va convertir Pilsen, bien sûr. On a des années pour faire ça. D'accord, oui, je sais, on a... D'accord. Mince. Ça, c'est bon, par contre. Notre général s'est amélioré en siège. Bon, le Danemark. Oh, attitude compétitrice, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu vas voir que ça va aller mieux. Venise. C'est pas au pôle, c'est Venise. C'est mort. Dites donc, personne ne m'aime. Hein. Toi, un petit peu, mais bon, pas plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Lui, on n'a plus aucune relation, hein, normalement. Allez, de Danemark, on est à moins 20, on est au max. C'est pas de bol quand même. Je crois qu'on pouvait aller plus haut. Rival hérésie maintenant. Mais oh, arrête avec ton hérésie, c'est bon. Hein. Parce que j'ai une tête d'hérésique. Bon, bah écoutez, on va chercher des petits amis, pas des gros. Quand on trouve pas des gros amis, on prend les petits. Alors, qui est-ce qui pourrait s'allier avec nous? Stuttgart. Dans la coalition contre Munich. Waouh, Munich est déjà si violent. C'est vrai que Munich est méchant. Je suis bien d'accord. Je vais intégrer la coalition. Comment ça? J'ai que 40? Comment ils ont fait les autres? Je veux être dans la coalition. Quoi? Gobat, Passau, Pologne. Pologne, t'es allié à Pologne, t'es sérieux? Mais c'est tellement dégueu. Mais tu veux pas être mon ami du coup? Tu m'aimes pas. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Ah bah bravo. Belle mentalité. Brunswick, tu es lié à Oldenburg et Verden. Vous n'avez pas de problème tous les deux. Je m'aille à lui. T'as si peu de troupes, hein? À quoi tu me sers, t'es sérieux? Ah là 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 là. Ma vie est fichue. On va améliorer aussi les relations avec eux. Pendant qu'on y est. Cela. Donc cela du coup. S'il faut atteindre 190. Quand est-ce que je vais pouvoir attaquer l'Autriche? Quand elle sera en guerre? Faut que je l'humilie. Pour pouvoir attaquer le Brandebourg. Avec le CV qui va bien. Très bien, je suis électrice. Parce que je suis une fille. Non, elle c'était une fille. Ma femme. Oh, puissance démissionnaire plus 1. Je ne crache pas dessus.
L'orthotonique, on n'est toujours pas au max. Allez, remets-toi bien avec moi. Sérieux, on est fait pour être potes. Je pourrais te faire un petit don, j'ai plein de fric. Mais est-ce que ça va suffire pour une alliance? Probablement pas. Hein. Rien du tout, rien du tout. 24, regardez. Opinion plus 12. 4 points. Donc plus 12. Donc c'est 4 points d'opinion pour 1 point. Donc c'est quand j'augmente de 25, je vais augmenter de plus 6. Donc on va passer à 80, mais pas à 98. Je vais clairement pas payer. Mais quand même, je vais essayer de me mettre bien avec tous les gros du coin. On est déjà allié avec lui. Moldavie, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait chez nous, le Moldave? Non, Vladimir, il va pas diriger, ça c'est sûr. Je peux te le dire. 1, 5, 1, il dirige un... Non. Il réussit, c'est bien, hein, mais c'est tout. Elle est quoi? Elle est catholique. Allez, Pilsen. T'es où, Pilsen? T'es là. Oh, Pilsen, ils sont pas contents. Gna, gna, gna. Finalement, je te reprendrai plus tard, parce que tu me coûtes un peu cher. Si tu te reprends dans 18 mois, tu me coûtes rien, donc... 5 par mois, c'est bien. On va continuer. Chebeb. Voilà. Et maintenant, on va annuler les dés. Et on devrait faire plus. Beaucoup plus. 7. Épopée nationale. Waouh, du prestige. Et tout ça pour 3 fois rien. Bah avec plaisir. Surtout qu'on va tout dilapider. Adieu, héritier. T'es un bâtard. Aucune raison de le garder. Bon. C'est pas tout ça, mais je peux pas attaquer la Pologne, je peux pas attaquer la Hongrie sans revendication. Clairement pas. Et l'Autriche. Oh, les États pontificaux viennent plus. Ils sont donc plus que 49. Et moi, je suis 30. Pas l'impression que ça colle. Venise. On va essayer d'améliorer les relations avec Venise. Tous ceux qui veulent pas s'allier, ils sont où? La Bosnie, ça serait bien de s'allier avec la Bosnie. Mais il y a des problèmes avec l'Ottoman après. La Valachie, ça serait pas mal. La Serbie. Bosnie, Valachie, Serbie, si je pouvais être allié avec tout ça, ma guerre contre les Hongrois, ça serait beaucoup plus rigolo. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Ils sont alliés à qui, eux? Bosnie. À la Serbie, excellent. Oh, vu trop de relations. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les trop de relations, c'est le but du jeu. Brunswick, par contre, désolé, mais... T'es petit, certes, mais t'es aussi inutile. Ça, c'est dommage. Très bien. Alors, on en est où là? La Renaissance, ça a pété où? Je sais pas. En Italie, on va dire.
Offre d'alliance, c'est pour bientôt. Offre d'alliance, c'est pour bientôt. Offre d'alliance, c'est pour bientôt. Ça va monter. J'en ai qu'une en trop. Trois par mois. C'est de quoi? J'ai pas neuf relations, hein. Pas du tout. Savoie, c'est important. Saxe, c'est important. Brunswick. Mariage avec Brunswick? Mais t'es sérieux? Du coup, on va se rallier. Et ça me dérange pas de dépasser de 3. Pas du tout. On a besoin. Donc, voilà quoi. Les cités revendiquent leurs anciens droits. Les bourgeois perdent 10 de loyauté. Ou ils gagnent de la loyauté et je perds de la réforme. Ben, très bien. En parlant de ça, est-ce que je peux leur enlever des terres? Tout à fait. Pas tout de suite, parce qu'on va d'abord prendre celui qui nous donne des réserves nationales. On va attendre un petit peu, parce que là on va pas passer à 24. Ça va piquer trop. En même temps, on va le faire quand même. Allez, go. Ah, ça se révolte. Mon Dieu. Allez, on y va quand même. Hop là. On manque de morale. Bon, déloyauté des ordres, mais ça va remonter très vite. Hein. 0,36 par mois. Dans un an et demi, ils sont à nouveau positifs. Et nous, on a récupéré un petit peu de ça. L'État contrôle 47%. On va donc pouvoir faire ici puissance administrative mensuelle plus 1. Voilà. Allez, on continue à s'entraîner. Est-ce que on est bon là? 23 sur 25, oh, ben, j'en prendrais bien de plus, moi. La noblesse veut se rebeller, ça c'est sa vie. Les alliances. Je veux m'allier avec les trois là. Et je donne peu cher de la Hongrie. Après, ma cible en premier c'est l'Autriche, puis en deuxième c'est Brandebourg. Et bon, on est allié avec trois ici. Trois ici. 1 ici, 7 alliances. Valachie, Serbie, moins 2, moins 5. Par contre, la Bosnie, elle a disparu. Ah, elle veut bien, déjà. Hop là. Améliorer les relations. De Nivernais est en guerre contre l'Autriche, Oldenbourg et Liège. Et toi, tu es en guerre contre Bourgogne, Brabant, Flandre et Hollande. Oh que oui, oh que oui. Oh que oui, c'est le moment de te tomber dessus. On va pas se faire priver. On va prier, on va d'abord valider nos deux alliances. Allez. Qui c'est le plus riche? C'est Bibi. Trente sur trente, 27 sur 30.
Allez, on va se marier avec tout le monde. Ok. La Valachie, offre d'alliance. Non! La Serbie, elle déteste la Valachie chiotte. Me suis pas marié avec la Valachie. Bah, désolé, on va pas prendre la Valachie. Et on va arrêter de te garantir. Du coup, toi, c'est bon. Bah, ça redevient normal. Juste la Serbie, juste la Serbie. Valachie, non, désolé. La Moldavie. Dépendance de vassal de la Pologne. Ça, c'est bien dommage. S'il est allié à Venise. Est en guerre. Pour l'instant, tout le monde vient, mais ça durera pas. On peut faire la conquête et... En même temps, c'est 100% d'expansion agressive. Hein. Et puis faire une humiliation au passage, ça sera difficile, mais bon, pourquoi pas. Faut bien le faire. Offre d'alliance, la Serbie, c'est réglé. Ok, et nous, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a suffisamment d'alliés. On en a deux ici. J'aurais bien aimé avoir le troisième. Maintenant, lui, de toute façon, il ne voudra pas. Là, c'est pas possible. La Herzégovine alliée à Valachie. Ça, c'est sûr, on aura des embêtes. Toi, tu veux toujours pas. La Bourgogne, elle fait toujours la tête. La France, elle sait pas que j'existe. L'Angleterre, non. Et le Danemark, qui est notre ennemi héréditaire. Je vais essayer de remonter son opinion régulièrement. Hein. Trois par an. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. UE, aspiration à la liberté, 42. Aspiration à la liberté, 0. On va surveiller ce qui se passe en Suède quand même. On va essayer d'améliorer avec la Suède. Car s'ils veulent se rebeller contre le Danemark, ça pourrait être bien d'avoir un allié dans le Nord. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.